Une grande militante de la guerre d'indépendance algérienne, Evelyne Saphir Lavalette, s'est éteinte le vendredi 25 avril dernier à l'âge de 87 ans. Cette militante de la liberté a rejoint le FLN dès 1955 et a été élue deux fois députée en 1962 et en 1964. Retour sur le parcours d'une grande dame restée discrète jusqu'à la parution en 2013 d'un livre atypique, fait de prose et de poésie, qui pourtant dit une histoire. Née en 1927 à Rouiba, près d'Alger, épouse d'Abdelkader Saphir, père du journalisme algérien, Evelyne Lavalette est une femme qui est restée en retrait, dans l'ombre de son époux, lui-même retiré pour des raisons de santé dans sa montagne natale, à Benchikao, près de Médéa. Cette grande dame, les Algériens l'ont découverte à l'occasion de la publication de ses mémoires l'été dernier, « Juste algérienne comme une fissure », paru en juin 2013 avec une préface de Rania Moufouk aux éditions Barzac, a révélé à de nombreux jeunes Algériens une femme exceptionnelle. 20 ans après le décès de son mari, Evelyne Lavalette Saphir publie des textes entre poèmes et prose où transparaissent les certitudes, les convictions et les questionnements de la grande Moudjahida et combattante de la liberté qu'elle a été. Activisme politique qui ne pouvait rester longtemps à l'insu de l'administration coloniale. Elle sera arrêtée le 13 novembre 1956 à Oran, torturée, puis emprisonnée 3 ans. On fera même douter de son intégrité mentale et l'on l'internera en asile psychiatrique pour établir que seule la folie pouvait conduire des Européens à se compromettre avec les Felagas. À sa sortie de prison, elle s'exile en Suisse pour fuir les menaces et les intimidations de l'organisation terroriste La Main Rouge. Elle reviendra en Algérie à l'indépendance pour ne plus la quitter. À l'indépendance, elle est élue à l'Assemblée constituante, puis à la première Assemblée nationale en 1964. Avant d'intégrer le ministère du Travail en qualité de conseillère. Elle occupera aussi le poste de directrice de l'action sociale à Médéa jusqu'à la fin des années 1970. Retraitée, elle s'installe à Benchikao, à l'est de Médéa, avec son défunt époux, puis déménagea pour des raisons sécuritaires à Médéa à partir de 1993. À 86 ans révolus, cette combattante de la première heure fait de sa première apparition publique juste pour léguer ses mémoires aux Algériens avant de tirer sa révérence. Son apparition publique avait un côté touchant. Sa timidité et sa pudeur ne permettaient que des témoignages par bribes. Un récit ruisselant de sincérité et de conviction. À travers des textes écrits entre 1956 et 2013, Evelyne Saphir Lavalette s'est livré à petite dose, sans se départir de sa réserve. Un journal intime bouleversant, des textes qui passent en revue 70 ans d'histoire algérienne, allant de 1930 jusqu'aux années 2000. Evelyne Saphir Lavalette n'a pas témoigné que du combat des révolutionnaires pour l'indépendance,
Elle sera aussi le témoin de la résistance des Algériens durant la grande époque de la décennie 90. Jusqu'à son dernier souffle, elle nourrira l'espoir en une perpétuelle renaissance. Elle rêvera jusqu'au bout d'une société douce et fraternelle, moderne, organisée, qui se souviendra de l'essence de l'appel du 1er novembre 1954 et de la plateforme de la Soumane, société qui avancerait au gré des paramètres du XXIe siècle.